Comment mieux comprendre la structure des amines? Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gbaye Josué, ton coach en physique chimie. Cette leçon a pour objectif de connaître les différentes classes d'amines. Pour mieux appréhender cette leçon, nous allons aborder deux grands points qui sont la définition des amines et enfin les différentes classes des amines. Comme je l'avais dit tantôt, nous allons aborder la première étape qui est la définition des amines. Alors, comme tu peux le constater sur ton écran, la formule d'une amine s'obtient en remplaçant un ou plusieurs atomes d'hydrogène d'une molécule d'ammoniac par un ou plusieurs groupes alkyle en parenthèse R- ou aryl en parenthèse AR-. La formule brute des amines saturées est CnH2n plus 3n. Comme exemple, nous avons CH3, CH2, N-H-H. Comme exemple, nous avons CH3-CH2-N-H-à-droite-CH3. Et nous avons un composé aromatique -NH2. Alors, ce composé-là n'est rien d'autre que le benzène. Ça va? Donc, je reviens rapidement dans la définition. Quand on parle de groupe aryl, on parle de composé benzénique. Ça va? Alors, dans le deuxième point pour terminer, nous allons voir maintenant les différentes classes d'amines. Il faut savoir que il existe trois classes d'amines. Première classe, on parlera des amines primaires. Ça va? Donc, les amines primaires de formule R-NH2, un seul atome d'hydrogène est substitué par l'atome d'azote. Comme exemple, nous avons CH3-CH2-N-H-H. Comme autre exemple, nous avons un composé benzénique qui est associé à NH2. En ce qui concerne les amines secondaires, ça va, nous avons R1-NH-R2. Deux atomes d'hydrogène sont substitués. Comme exemple, nous avons CH3-NH-CH3. Dernier exemple, CH3-CH2-N-H-CH3. Alors, pour terminer, concernant les différentes classes d'amines, nous avons les amines tertiaires de formule R1-N-R2-R3. Tous les trois atomes d'hydrogène sont substitués. Ainsi, comme exemple, nous avons CH3-N-CH3. Alors, voilà en ce qui concerne la structure des amines. Alors, tu as bien suivi, je l'espère. Alors, je donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo parce que maintenant prend fin notre vidéo. J'espère que tu l'as bien retenu et rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la nomenclature des amines. D'ici là, restons succès assuré car le succès appartient à ceux qui suivent, bien évidemment, succès assuré. Succès assuré.